bien, salut à tous les gamers, c'est Graphique. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan. J'espère les amis que vous pétez la forme car aujourd'hui vous avez intérêt à être réceptifs sur la barre des likes car on arrive avec un world record les amis. Un world record réalisé par Monsieur Dimi94. J'espère que vous serez nombreux dans les commentaires à le féliciter. Vous aurez remarqué bien entendu la nouvelle arme DLC, voilà, AG40, double nucléaire avec cette arme. Voilà, grosse félicitations à toi, n'hésitez pas vraiment à le féliciter dans les commentaires pour cette très belle performance. Il va temporiser en général sur ce coin là, nous sommes bien entendu sur la map Breach si je ne me trompe pas. Car voilà, n'ayant pas le jeu, j'essaie de faire de mon mieux pour vous l'expliquer. Mais en tout cas voilà, le gameplay reste très beau. Bon, c'est du blocage de spawn bien entendu, mais c'est pas du spawn trap ni du spawn kill, voilà, il les laisse spawner et il tourne autour de la maison tout simplement pour faire les éliminations. Donc ce gameplay va être envoyé à code QG, j'espère de tout cœur qu'il sera accepté. Pour vous situer un peu, Monsieur Dimi avait déjà réalisé ce gameplay sur l'Apex Clan. Il y a eu une petite confusion en croyant que c'était un abonné, et bah tout simplement en fait c'est un player de l'Obscur Clan. Du coup le gameplay a été partagé et on a réussi quand même à pouvoir l'uploader sur la Obscur. On est vraiment très fiers de pouvoir proposer ce gameplay. Et sachez un peu que Monsieur Dimi avait réalisé hier même, enfin le jour juste avant ce gameplay, parce que c'est tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, le jour avant ce gameplay il avait réalisé la simple et avait raté la deuxième nucléaire tout simplement à 3 kills. Donc là voilà, c'est une très belle revanche, il les a juste laminés. Bon, il y a quelques petits kills au C4, mais bien entendu, les kills sont rattrapés. Et franchement, le gameplay n'en reste pas moins magnifique. Donc alors, pour ça, j'ai un petit sujet à vous proposer, une question à vous poser tout simplement les amis. Est-ce que vous pensez que là, à force qu'on voit des nouvelles armes qui arrivent, des remakes de maps qui arrivent, ça fait comme 3 fois qu'ils nous mettent Nuketown ou tout ça. Vous avez certainement déjà vu sur YouTube, si vous suivez des chaînes de YouTubeurs Call of, des gens qui disaient est-ce que ça vous dirait qu'on crée le Call of parfait et qu'on, voilà, vous échangez sur les maps que vous préférez, les armes que vous préférez, pardon. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de nous remettre que des armes anciennes, à l'image de cette arme DLC, qui était anciennement sur World at War, si je ne me trompe pas. Je pense très sincèrement, enfin moi c'est ce que j'imagine et ce que j'aimerais réellement, en fait je l'aimerais plus que ce que j'imagine, mais pensez-vous qu'ils vont nous remettre les anciennes armes, les anciennes maps, nous faire un remake d'un ancien Call of, nous faire vraiment un truc mais parfait, ce que tout le monde veut. On n'a pas envie d'un truc, enfin pour ma part et pour une grande partie de mes amis avec lesquels j'en ai discuté, on n'a pas envie d'un jeu encore plus futuriste avec bientôt tu pourras tirer des lasers, t'envoler comme Superman et cracher des proutes cracheurs de feu. Franchement, ça s'en bat un peu les steaks. On aimerait bien, voilà, revoir un peu des anciens Call of, des anciennes armes comme ils sont en train de nous mettre. Est-ce que vous pensez qu'un jour ils vont peut-être finir par nous mettre directement toutes les anciennes armes ou carrément nous sortir un code 4 HD enfin, c'est-à-dire, vous voyez bien des Zelda aujourd'hui qui sont remis au goût du jour pour sortir sur des nouvelles consoles. Ça serait génial qu'ils nous fassent ça. Enfin, pour moi, je pense que d'une part, bon, il y en a qui penseraient forcément que ce serait un peu du recyclé, mais je pense que voilà, nous améliorer un peu le jeu, voilà, le mettre au goût du jour et nous mettre un mixte entre différents Call of, comme par exemple MW3, MW2, Code 4, BO2, ou voilà, des choses comme ça. Pourrait vraiment faire un Call of juste pas parfait, mais je pense limite à la limite de la perfection par rapport à ce que souhaitent les joueurs code, parce qu'aujourd'hui voilà, nous on veut vraiment des armes, voilà, qui sont pas de l'apocalypse quoi. Là quand tu vois, moi je sais que sur le jeu ce qui me dégoûte le plus c'est les spécialistes, donc voilà, franchement j'espère qu'on va avoir un jour quelque chose comme ça, mais c'est peut-être une hypothèse qui n'est pas forcément à mettre de côté. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ce gameplay vous aura plu les amis, en tout cas je n'en doute pas. J'espère que mon commentaire vous aura plu également. N'hésitez pas à checker les chaînes qui seront dans la description, ça fait toujours plaisir parce qu'on a mis du temps à faire cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, à partager votre avis, donner un petit like à la vidéo, partager la vidéo, et en tout cas moi j'espère que Code QG aura accepté ce commentaire et ce gameplay. Moi je dis ciao tout le monde les amis et portez-vous bien.